les moines servent. Ouais. Ah, oui, oui, on va aussi enfin. Voilà, on avait le plan B à Moscou, maintenant on a le plan M, hein, maquillage ensemble. Ah oui, oui. Ouais. Ah, oui. Continuer à parler alors à ce moment-là. Ça, c'est quelque chose. C'est vraiment le côté émotionnel, tu vois, de fin. Recevoir ceux qui ont justement plusieurs albums à leur actif. Il s'agit de The Last Shot of War. Alors on va les accueillir sur le plateau. Bienvenue. C'est voilà. Jérémia. Salut. vous arrivez vite, asseyez-vous vite. Parce que on a une petite chose à vous montrer, c'est un peu bousculé. Ouais. Alors vous savez, il y a un rendez-vous incontournable dans notre émission. Il est arrivé un petit événement un petit peu. Il en manque un, malheureusement, impromptu. Il n'a pas pu être là. Et mais pourquoi? Il s'excuse. Et pourquoi? Il s'excuse. Problème logistique. Apparemment, il a raté le bus. Ouais, bon, d'accord, ok, c'était un problème de bus. Mais il s'excuse, il est désolé. Alors, cool. Voilà, donc ça veut dire que la prochaine fois, on aura peut-être l'occasion de le voir, ou en tout cas, vous le verrez sur scène, il n'y a pas de doute. On est très fiers de représenter la région, en tout cas sur la scène métal. Voilà. Quand on vous voit, bah, on se dit que quand même, voilà, Jérémia, tu as l'air tout à fait... Pour être un chanteur. Calme, tout à ouais, fait... Ouais. Un peu timide. Je regarde un peu timide, très calme. Mais sur scène, par contre, et on dit bonjour, on profite pour dire bonjour au cinquième membre de Last Shot of War. Allez, John. Ouais, John, dis coucou, John. Dis coucou. Yeah. Alors, à la semaine prochaine. Ouais, aussi, ouais, parce que voilà, on a une réputation. Voilà, exactement. Hein. Et le chemin, c'est... Ouais, c'est pas grave, mais j'essaie parce que comme je suis gros, c'est le... Merci déjà à tous ceux qui nous ont suivis, c'était vraiment chouette. On a eu une super équipe autour de nous, je remercie TLMB d'ailleurs, et toutes les équipes de l'ombre, Steven Decker, John, et bien sûr notre photographe aussi Manu. Voilà, c'était une première fois pour nous, et je pense qu'on s'en est bien démerdé, et ça nous fait une bonne promo pour le futur en tout cas. Voilà, stay metal and see you soon.